s'améliore un peu ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, on a un temps qui devient variable, donc c'est beaucoup plus agréable, avec une température extérieure qui est à 10 degrés, mais ressentie en plein soleil, 12-13 degrés. Une température de l'eau à 12 degrés. Une marée qui est actuellement en train de redescendre. Le plein bas est à 16h40 avec des petits coefficients de 43. Et sur ce début du descendant, bah, le vent est onshore avec un secteur nord-ouest. Il est modéré maintenant. Il y a deux beaux forts établis, des rafales à 3. On a un plan d'eau qui conserve un résidu de clapot. Les moutons ont disparu. Les phases de vagues sont ridées à lisse. Et on a une houle qui est toujours agitée, par contre, longue avec 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, multipique et stationnaire en taille. 1 mètre en déferlement régulier, 1 m20, 1 m30 aux séries. Bon, ça reste quand même médiocre, tendant légèrement vers le moyen. Toujours cette houle en pic avec des pics qui arrivent à ouvrir, mais qui sont désordonnés. Il y en a un petit peu partout, c'est pas évident. La barre est pas super facile à franchir parce que les séries, quand même, rentrent assez fréquemment. Il faut qu'il y ait quelques canards. Les vagues après en elles-mêmes sont pas sélectives. J'ai checké du nord jusqu'au sud, il n'y a personne à l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, la bouard cachant Gascogne est quasiment stationnaire à 1,90 et 6 secondes. La houle va rester stationnaire. Le vent devrait s'orienter un peu plus au nord-nord-ouest et faiblir peut-être un peu plus. Donc à 13h, les prévisions nous donnent 1,20, 1,30, houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, vent nord-ouest, 2 à 3 beaufort. Et à 17h, 1,20, 1,30. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest qui perd de la période, 10 secondes de période avec un vent nord-nord-ouest à de beaux forts. À surveiller l'évolution en début d'après-midi, ce que ça va donner. Je vous tiens informé sur le 08 92 29 78 73 à 14h.